Et bonjour tout le monde. Après plusieurs semaines d'absence pour d'ordre privé, on rattaque les tutos, les démontages et compagnie là, les travaux, tous les travaux. Le cas d'aujourd'hui, c'est une Renault Laguna de 2000, voilà, que on va attaquer un très grand chantier là. C'est tout le temps la même histoire, avec une seule main. Il faut tout faire, filmer, tenir voilà, l'appareil, et filmer, et tout faire. Maintenant, voilà, démontage, remontage et compagnie. Bon, bref, voilà. Donc, le cas d'aujourd'hui, c'est un moteur 1 litre 6 de chez Renault. On les aime, les Renault. Waouh! C'est une Renault, hein, ma foi. On les aime trop. Hein. Quand on voit le démarreur où il est mis, contrairement au Volkswagen, le démarreur, il est posé juste là, comme un cadran, là, devant. Là. Après, tu as le Renault, tu as le démarreur et les derrières. Voilà. Mais bon, on les aime, les Renault. Le cas d'aujourd'hui, c'est une Renault Laguna de 2000, 1 litre 6, 16V. On le voit très bien. 16V, 16 soupapes. Hein. Voilà. Ce moteur, il est en vrac. Donc, on va le changer. Il y en a un autre déjà qui attend dans le garage. Avec 142 000 au compteur. Très bien. Nickel. Voilà. Moi, comment je procède? Moi, je préfère, pour changer le moteur, je préfère démonter moteur et boîte en entier. Il y en a qui se font, je ne veux pas dire le mot, galérer tout seul. Ils démontent le moteur, ils laissent la boîte, ils vont galérer. Non, moi, je veux tout sortir. La boîte, le moteur et la boîte en même temps. Voilà. Et je ferai le reste au sol. Sans tarder. Donc, par quoi commencer? La première des choses, très importante. On enlève la batterie. Moi, je l'ai démonté, la batterie, elle est partie déjà. La boîte du filtre à air, elle est déjà sortie. Donc voilà. La première des choses est très importante quand on veut attaquer un démontage d'un moteur. Parce que les gens, des fois, ils oublient et après, ils se trouvent un petit peu coincés ou embêtés. La première des choses, avant de mettre les chandelles ou le cric ou peu importe, on va déverrouiller, on va dévisser. Si j'arrive, voilà, on va dévisser les écrous des cardans, très très important, parce que quand on dévisse l'écrou au sol, l'écrou du cardan, on a plus de force et de souplesse et de facilité. Une fois la voiture levée sur chandelle, vous allez galérer pour le dévisser, d'accord? Et là, c'est une douille de 30, il me semble, c'est une douille de 30. Sans tarder, allez, on va chercher la douille de 30. Avec le gros cliquet, une petite rallonge, c'est le voilà. Voilà. Et la rallonge, la grosse rallonge pour mieux travailler, pour ne pas trop forcer le dos, c'est très important. Donc, ça, c'est le début. Donc, voilà. Si ça peut tenir. Et après, là. Est-ce que avec une seule main, je vais y arriver? C'est la question à. Non, ça ne marche pas. Il me faut les deux mains. Donc, ce que je vais faire, je vais poser le téléphone. Est-ce qu'il va tenir comme ça? Super. Ah oui, super. On peut aller. Donc. De le dévisser en entier, mais pour ne pas trop forcer plus tard. Donc là, on le fait au sol, nickel. Donc là, on le voit bien, il est bien dévissé. Voilà, l'écrou, il est bien dévissé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. On va enlever le joli enjoliveur. On va mettre la clé. Je vais poser le téléphone. Voilà. Allez. Rebelote. Allez, hop. Voilà, c'est fait. Nickel.
nickel. Très bien. J'aime bien quand ça commence propre, nickel. Alors, on va dévisser encore. On va dévisser encore. C'est bon, il est bien dévissé, lui. Très bien. Maintenant, on va mettre, très important, on va mettre les chandelles. Parce que travailler avec, comme ils font certains, avec juste un cric, moi je suis désolé, je ne travaille pas comme ça. Voilà. On va préparer la chandelle. On va prendre le cric. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, le cric. Voilà. On va mettre le cric. Tranquille. Il fait bon en plus. Il fait bon à l'ombre. Voilà. On va mettre le cric. Par contre, je vous le dis, là je vais changer de politique. C'est plus comme avant les vidéos de une demi-heure et 40 minutes. Là, ça va être des petites vidéos de 10 minutes. Comme ça, les gens ne se lassent pas. Et on va les faire par d'ordre, je sais pas, ou numérique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, machin, ou pas, alphabétique, ABCD, machin, on verra. Ça va être des petites vidéos de 10 minutes. Comme ça, les gens, ils vont pas se lasser. Et quand ils veulent voir, ils vont voir par la suite, quoi, voilà. Donc, la clé des roues, c'est une 19. Voilà, c'est une 19. On va desserrer. Au sol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, faut tout le temps desserrer au sol pour ne pas galérer, parce que une fois le cric sur place, où est-ce que j'ai mis le tube? Il est là. Faut tout le temps se faire aider par un petit tube. Ça fait alléger un petit peu la force. Voilà, nickel. Voilà. On n'est pas trop forcé. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Et le quatrième. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, voilà, voilà. Voilà, nickel. Et le troisième. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ils sont déverrouillés. Donc, une fois le cric sur place, on va pas galérer. On va travailler tranquille. Donc, le cric. Le cric, le cric, le cric. Voilà. Et je ne sais pas comment vous faites. Moi, je fais la sécurité au maximum. Je fais attention au maximum. Même que le frein à main, il est bon. J'ai un gros caillou derrière. Surtout là où j'habite. C'est une petite pente. C'est une petite descente. Donc, je ne fais pas confiance. Voilà. C'est la sécurité au maximum. Voilà. Voilà. Alimenter. Une fois bien aimanté, on a la chandelle, voilà, très important. On va lever un petit peu, je pense, non? Si, je vais lever un petit peu encore. Je vais lever un petit peu encore pour rajouter un cran, comme ça après. Quand je vais me mettre en dessous pour vidanger la boîte, parce que c'est très important. Commencer par vidanger la boîte. Voilà. Je vais lever, à mon avis. Ça passe pas. Et il faut lever encore. Ok. Il n'y a pas de souci. Quoique, c'est le cric qui me gêne. Alors. Ah, c'est le cric qui me gêne, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va lever un petit coup. Dernier coup. Là, on va poser la chandelle. Voilà.
Donc, on va. Oui. Et quand on fait les choses vite, c'est bon. Donc, on va descendre la chandelle. Voilà. C'est bon, là, on y est. On va baisser tout ça doucement. On est bon. Voilà, la chandelle, elle est bien mise. On enlève le cric. Et le voisin qui part avec sa voiture qui est flinguée, c'est pas grave. Voilà. J'ai un cric qui est très très capricieux. Bon, il dépend très très bien. Pas de soucis. Mais c'est quand tu veux en face. Voilà. Voilà, merci. Merci. C'est gentil. Donc, là, on est bon. Je vais mettre en pause. Et je vais chercher la deuxième chandelle. À tout de suite. Voilà, c'est bon. La deuxième chandelle, elle est là. On part sur l'autre côté et on fait pareil, tranquille, doucement, en faisant très attention. Voilà. On a fait cric. Est-ce que j'ai verrouillé le cric? Oui, j'ai verrouillé. Voilà. C'est au maximum, comme ça il ne va pas nous gêner. On va mettre la chandelle. Allez, c'est parti, on monte. Voilà, c'est bien monté. On a mis combien? 1, 2, 3, 4. Donc pareil, 4 écrans. Voilà. Encore voilà. Un petit coup, on va mettre bien plus haut. Voilà, on descend le cric. Voilà, il tient bien. Voilà, il faut enlever le cric. Voilà, merci. C'est beaucoup gentil, toi. Hein? C'est beaucoup gentil. Allez. Donc, ça c'est fait. Voilà. On va la mettre de côté. On va enlever les roues. Enlever les roues. Voilà. Enlever les roues. Ça c'est bon. Ça aussi. Là. Voilà. Donc la roue, elle est enlevé, voilà. Donc là les amis, je suis obligé de faire une pause parce que après, donc on a dévissé l'écrou des cardans. La douille elle est pas loin, normalement elle est là. On a dévissé, il est encore dur mais bon ça va, on peut le faire. Donc est-ce que avec une seule main, ouais, c'est faisable. Oui. C'est faisable. Donc, ça c'est fait. Voilà, l'écrou du cardan, il est là.
Je vais chercher une boîte après pour mettre tous les vis et les boulons, les écrous, tout le reste. On va mettre dans une boîte pour ne rien perdre. Voilà, donc la suite, c'est quoi la suite? Donc, on va dévisser ici. Voilà. On va dévisser ici. Je pense que on peut le sortir, oui. Oui, on va dévisser ici et là. Et là, on n'aura pas le choix pour sortir le cardan. Mais avant de sortir le cardan, on va vidanger la boîte. Pour vidanger la boîte, j'arrive. Donc, on a dit, avant de sortir le cardan, avant de dévisser ici et là, pour enlever le moyeu, la fusée, le moyeu et compagnie, et pour sortir le cardan, donc avant tout ça, il faut vidanger la boîte. Pour vidanger la boîte, on va regarder en dessous. Ah, c'est gras, ah là là. Eh ouais, c'est gras. Donc, pour vidanger la boîte, je sais pas si on voit ou pas. Il faut enlever le cache. Je vais enlever le cache. Voilà. Je vais enlever le cache. Je vous reprends dans pas longtemps. À tout de suite. Voilà. Donc, pour vidanger la boîte, il faut virer le cache. La vidange, ça va se faire par là. Donc, je vais couper et je vais chercher un récipient et la clé qui va avec. Et à tout de suite. Merci. Allez, de retour. Donc, un bidon pour récupérer l'huile de la boîte, un entonnoir, en espérant que ça va passer, que ça va pas être serré. En espérant. Sinon, je change tout ça. La clé pour vidanger la boîte. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer. C'est vraiment just. Donc, on va changer de technique. On va le faire sans l'entonnoir. Ça va être folklorique, mais bon. Avec, parce que j'ai pas assez levé la voiture, donc ça va être comme ça. Et par la suite, je vais arrêter parce que la vidéo elle commence à faire un peu lent. Donc on va juste déverrouiller, on va vous montrer comment vidanger la boîte, et après j'arrête. La suite, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est déverrouillé. Donc, c'est dévissé déjà. Voilà. Voilà. On le voit bien que c'est dévissé. Donc, on prépare le bidon. Super pub. Pour les bidons de voilà, vous avez vu la marque. Ah, c'est pas évident, je voulais mettre l'entonnoir. Mais bon, j'aurais pas beaucoup de place. L'entonnoir, il passe pas. Ou c'est vraiment juste. Non, il passera pas. Donc, c'est pas grave, ça va être comme ça. Voilà. J'espère que ça va pas dégouliner de partout. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Tiens, bien un chiffon. Je ne sais pas où il est parti. Bon, de toute manière, j'en ai dans le garage. J'en ai dans le bidon. Il est bien positionné. Ça va pas couler de partout, j'espère. Voilà. Allez, une, deux, et
c'est bon. Ça va, c'est bien passé quand même. Ça va, c'est pas le bazar, hein. Ça va, c'est quelques gouttes. Ça va. Donc, les amis, on va laisser couler tout ça. On va laisser couler. Voilà. C'est fini. Donc, c'est le plus gros. Voilà. Donc, ça va, c'est que quelques gouttes. Ça va, c'est pas méchant. Donc, je vais arrêter la vidéo et on reprend dans une prochaine vidéo. Merci. À bientôt pour la suite.